Monsieur Toufik Hakkar a été installé le jeudi 6 février 2020 dans ses fonctions de président-directeur général de Sonatrach, succédant à Monsieur Kamaldine Chéri. Lors de la cérémonie d'installation, Monsieur le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, a tenu à féliciter Monsieur Toufik Hakkar, lui témoignant tout son soutien et mettant en avant son riche parcours au sein de l'entreprise. Dans son allocution, M. Toufik Hakkar a tenu à remercier le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la confiance qui lui a été témoignée, en lui confiant le florent de l'industrie et de l'économie nationale et pour la réalisation des objectifs stratégiques du groupe Sonatrach. التي وضعوها في شخصي ومنحوني إياها لتسيير الشركة الوطنية سوناتراك هذه الشركة التي تعتبر فخر الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي السيد وزير الطاقة على دعمه الدائم والمستمر وصهره للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي والحساس خاصة فيما يتعلق بضمان الأمن الطاقوي للبلاد S'adressant aux femmes et aux hommes de Sonatrach, il s'est exprimé sur cette nouvelle opportunité de renouveler l'engagement et d'avancer avec détermination et constance vers une meilleure consolidation de notre économie nationale. إلى كل عاملات وعمال سوناتراك وجودي بينكم فرصة لتجديد العهد والمضي قدما بعزم وثبات نحو الأفضل خدمة لاقتصادنا الوطني وضمانا لمكانتنا في السوق الدولية التي تعرف تحولات جوهرية ومتسارعة. À ce titre, Monsieur le Président Directeur Général a présenté les défis qu'il conviendra de relever. من مستلزمات التحول هو أن نصوب نظرنا نحو التحولات المستقبلية التي ينبغي أن نباشر رهاناتها بدءا من الآن وأن لا يخطئ نظرنا التوجهات العالمية ومتابعة اتجاهاتها وطبيعتها. بما يستوجب علينا مباشرة الرهانات الكبرى والأساسية لمؤسستنا طاقويا وتنمويا. À cette occasion, le président directeur général n'a pas manqué de rappeler l'importance de l'avènement d'un nouveau cadre législatif stable et clair régissant les activités des hydrocarbures qui permettra de renforcer le partenariat et d'élever Sonatrach à un plus haut niveau.